Très bien. Voilà, il est 18h30. Je vous propose donc qu'on ouvre la séance du Conseil municipal. En vous souhaitant la bienvenue et en vous remerciant de votre présence. Alors, on aura quelques collègues absents pour congé, également pour Covid, donc la période, il y a beaucoup d'arrêts. Donc, c'est sans doute la période où il y a le plus d'arrêts. Voilà, je vous propose comme secrétaire de séance Liliane Coquille, si personne ne voit d'inconvénient, je vais lui demander de procéder à l'appel. Daniel Gilles, absent, a donné procuration à Judas Cornet. Eslo Vincent, absent, a donné procuration à M. Martin. Kédou Anne. Devrait arriver dans un quart d'heure. Loagami, Jean Cécile, présent. José Gaël. Devrait arriver aussi. Le Bon Stéphanie, absent, m'a donné procuration. Lequin Laurent, absent, a donné procuration à Laure Caramazou. Le Guardette Marie-Thérèse, Le Bob Rosé. Présent. Martin Frédéric. Présent. Mérien Alain. Présent. Mérien Bruno. Présent. Mérien Jean-Noël. Potier Raphaël, absent, a donné procuration à Joël Chandelier. Simon Maxime. Présent. Smith Cooper, absent, a donné procuration à Bruno Merrien. Savary Cécile, présent. Savoré Christian, présent. Touchard Francis, présent. Merci. José Gaël, merci. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. On a le quorum. Voilà. Très bien. Le premier point concerne l'approbation des relevés de décision du Conseil du 16 décembre 2021. On n'a pas eu d'observation. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, oui. Oui, M. Martin. Je fais une petite remarque. Vous lisez, M. le maire, nos questions orales en fin de conseil. Permettez-moi de lire votre réponse à la question 3 concernant le permis légal de Carnac. Vous adressez, je vous cite. Vous parlez des conséquences énormes pour le propriétaire alors que c'est vous-même qui l'avez porté au contentieux. Quand vous parlez ainsi, on ne sait pas si vous vous adressez à... Enfin, on pense que vous vous adressez à Vincent Hainaut ou à la SPF, mais en aucun cas au groupe d'opposition alternative Fouénin. Vous niez ainsi le travail des élus et entretenez une confusion volontaire. Donc nous votons contre l'approbation du dernier conseil municipal. Très bien. Je vous laisse votre interprétation. Très bien. Donc, il y a trois comptes, quatre ? Quatre. Très bien. Merci. Très bien. On va passer donc au point des commissions de finances. Qui est en commission de finances ? Je vais passer la parole à Bruno. Bien, bonsoir à tous. Alors, le premier point sur la partie finances concerne l'autorisation de programme crédit-paiement pour le projet de rénovation de Fort Cigogne, projet qui a déjà démarré il y a trois ans. Et on vous propose donc une autorisation de programme crédit-paiement afin d'acter les dépenses sur 2022, 2023, 2024 pour un montant global de 2 612 825 répartis de la façon suivante, donc 1 200 000 sur 2022, 700 000 sur 2023 et 712 825 sur 2024. Donc il s'agit là, par le biais de ces APCP, d'acter des dépenses sur plusieurs années. Elles seront donc inscrites d'office dans les budgets des années 2022, 2023 et 2024. Au global, puisqu'on est sur le projet de Fort Cigogne, sur lequel donc les dépenses vont plus haut que prévu, puisqu'il s'agit ici de la poursuite des travaux de la tranche optionnelle 1, du démarrage de la tranche optionnelle 2, de la finalisation de la tranche optionnelle 2, et des travaux en 2024, des travaux de rejointement des remparts nord et est. Donc au total, et TTC, on arriverait donc... sur une dépense globale de 6,4 millions sur Fort Cigogne. Je rappelle aussi que la cible est bien d'un reste à charge de 10% au niveau de la ville et on a déjà un accord pour l'essentiel des subventions.
tout ce qui est patrimoine historique. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce projet. On trouve la phrase assez maladroite. Quoi. Le montant total de l'opération de rénovation de projet est évalué, c'est le montant restant. Oui. Oui. C'est la somme des 1 200 000 et 712 000. Parce puisque les autres ont déjà été validés dans les conseils municipaux précédents. D'accord. Voilà. C'est l'objet, en fait, de l'autorisation de programme crédit-paiement que vous trouvez là. Non. Très bien. Peut-être qu'un tableau récapitulatif l'ensemble des dépenses depuis 2009 aurait été le bienvenu sur cette délibération. Ouais, j'ai un tableau tout à l'heure, je pourrais vous le faire voir, ça oblige à basculer, mais je pourrais vous le faire voir tout à l'heure, puisque dans les investissements sur le budget de la ville, il sera question de Cigogne, bien évidemment, et je pourrais vous faire voir cette synthèse. Parce que la phrase, en fait, laisse à penser que le projet aura un coût total... Micro, Madame Glauguin, s'il vous plaît. Mais il ne fonctionne pas. Il faut appuyer, voilà. La phrase laisse à penser que le montant total du projet est évalué à 2 600 000 €, alors que vous venez de nous dire que le coût total est de 6,4 millions d'euros. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir si c'était le total ou pas. Donc, on trouve que, la phrase laisse penser. Alors, c'est vous qui pensez ça, Mme Glauguin. Si vous reprenez les délibérations des conseils précédents, et notamment une des premières, vous verrez que le projet global et initial de Cigogne était de 3,6 millions au départ, il me semble. Voilà, donc il s'agit bien de dépenses complémentaires et les délibérations ont été prises dans les conseils municipaux précédents. Voilà. Ici, comprenez bien qu'il s'agit de l'autorisation de programme crédit-paiement et que donc il s'agit bien d'inscrire pour les 3 années qui viennent un montant étalé sur 3 ans. Voilà pourquoi vous trouvez 2 612 825 euros. Voilà, mais il n'y a aucune... intention de cacher quoi que ce soit. C'est bien pour ça, avant même que vous me posiez la question, je vous disais que la totalité des travaux s'élève à 6,4 millions. Voilà. Exactement. Mais n'apparaissent pas les années précédentes. 2019, il y avait 1 million de votes. Ah, mais non, 2020, 1 million 100. Mais ça correspond au total dont on vous parle. Dans une délibération comme celle-ci, on ne va pas reprendre tout ce qui a été payé. La délibération porte sur les travaux à venir. Oui, je suis bien d'accord. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait conscience du montant global pour pouvoir voter en, mais en conscience. Je viens de vous le donner, Monsieur Martin. Oui, je sais. Voilà. Mais pourquoi on insiste dessus ? Je viens de vous le donner. Enfin, moi, en faisant la somme de tout ce qui a été voté, j'arrive à 6,7 millions. Attendez, on est dans un dialogue de sourds. Non, on se comprend très bien. Regardez le projet de délibération. Donc, le projet de la rénovation de Fort Cigogne entame sa 4e tranche. Et sa 4e année, qui fait l'objet d'une délibération du 23 septembre 2021 concernant son financement. Donc, il faut se rapporter à cette délibération qu'on avait prise. Et aujourd'hui, on vous demande juste qu'on engage les travaux pour finir l'ensemble de Fort Cigogne. Et dans le complément qui est compris dedans, comme l'a rappelé Bruno, il y a le rejointoiement des remparts Nord et Est. C'est pour ça, donc, on reprend cette délibération et on engage les travaux, ce qui fera qu'on sollicitera les subventions auprès de tous les financeurs pour la tranche supplémentaire. Voilà, mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est dire on y va jusqu'au bout, acte. Si le conseil suit, parce que derrière, c'est l'organisation de la fin du chantier qui se fera, voilà, sur 2022, 2023 et 2024, sur le rapprochement des tranches. On ne va plus découper de la même façon les tranches, parce que les tranches étaient découpées en 4 tranches, voilà, et ces tranches, si vous voulez, c'est l'administratif, c'est très compliqué de réaliser les travaux sur une si longue période de façon où c'était découpé. Quoi. Voilà. C'est ça l'objet de la délibération. C'est tout. Oui. Ouais, 10% reste à charge, j'ai confirmé. Ouais. Très bien. Alors, OK, au niveau de la commission, il y avait unanimité. Qui s'abstient ? Qui est contre ? 4 contre. Contre. OK, merci. Alors, la délibération 2 porte sur la présentation des budgets primitifs, à la fois pour la commune, les ports, les lotissements de Kérourgué, de Manère-Kérello, de Borlogote et le budget production-revente d'énergie. Et vous aurez également, dans cette délibération, la proposition de
délibération de voter le versement de 25 000 au titre de l'année 2002 de la taxe de débarquement sur le budget des ports. Alors, ce que je veux bien, c'est que Claude bascule au niveau technique pour que je puisse vous présenter le support comme habituellement concernant la présentation des comptes, des budgets. Voilà. Donc, je rappelle quand même que c'est l'état M14 qui fait foi dans tous ces chiffres que je vais vous prononcer et que le document que je vous présente est une synthèse de ces différentes M14. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'on choisit de présenter ces budgets avant même d'avoir les comptes administratifs. Ceci dit, je vous montrerai quand même un état de l'atterrissage prévisionnel. Il n'est pas précis à l'euro près, mais il n'y aura pas beaucoup de différence avec les comptes administratifs que je vous présenterai au prochain conseil. En tout cas, ça permet déjà d'engager les investissements et les dépenses et donc d'assurer le bon fonctionnement par rapport à l'année 2022. Voilà. Alors, vous dire tout d'abord comment a été construit ce projet de budget 2022. Déjà, nous avions donc lors du conseil de décembre l'information sur les orientations budgétaires. Donc, bien évidemment, ce budget s'inscrit comme une suite logique de ces orientations budgétaires. À côté de ça, on s'est basé sur tout d'abord la stabilité de la fiscalité locale au niveau des taux, conformément à nos engagements qu'on a pris aussi en début de mandat. La majorité entend aussi poursuivre une politique d'investissement dynamique au service du patrimoine, des équipements structurants, alors avec ce projet emblématique de cinéma, évidemment. Mais à côté de ça, c'est de dégager l'enveloppe maximale au service des investissements de la ville, parce que les projets sont nombreux et donc il n'y a pas d'épargne conservée ou quoi que ce soit. Tout l'excédent est rebasculé sur le volet investissement pour tirer la ligne maximale d'investissement, tout en maîtrisant aussi la dette, bien évidemment, et aboutir donc à des équilibres financiers. Et j'ai toujours dit, ce qui me guide, le cap qu'on a conduit, c'est d'avoir un autofinancement minimum de 2,5 millions d'euros. Voilà. Une dette long moyen terme qui est aussi contenue à 15 millions d'euros. Et en tout état de cause, on assure par ce biais-là un ratio de désendettement inférieur à 8 années. Voilà. Donc, on reste sur des fondamentaux sains au niveau financier. Autre point, c'est de s'inscrire aussi dans le plan de relance de l'État, bien évidemment, notamment sur la transition énergétique. Il y aura quelques investissements qui vont illustrer ces propos-là. Un budget qui intègre toujours la solidarité aussi, à la fois dans son fonctionnement avec des enveloppes majorées aux CCAS et aux associations, et puis sur le volet investissement cette fois-ci, des investissements, on va dire, solidaires à l'image du projet de la Vaillante. Cette année, c'est une particularité aussi, 2022, et on l'aura encore en 2023, avec le transfert de certaines compétences à la CCPF. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, toujours des incertitudes aussi liées à la crise sanitaire. Effectivement, c'est toujours compliqué de construire ces budgets parce qu'il y a une part d'incertitude importante, à la fois sur les recettes et sur les dépenses. Et quand je vous présenterai les comptes 2021, vous verrez ce qui se passe et il y a forcément des choses qu'on avait prévues qui n'ont pas lieu, et dans les deux sens d'ailleurs, au niveau des charges et au niveau des recettes. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il faut fonctionner en mode agile sur 2022, encore une fois, et se dire qu'il faudra peut-être adapter ces budgets par des décisions modificatives en fonction du contexte sanitaire, mais espérons que tout ça aille bien. Et pour terminer aussi, un budget construit sur fond d'inflation qui reprend et qu'on a pris en compte également, parce que forcément, avec des inflations de 5, 3% ou plus, et ben ça aura inévitablement des impacts sur nos lignes budgétaires. Voilà. Alors, si je prends maintenant le budget de la ville, le budget communal, et vous savez, toujours pareil, fonctionnement, investissement, je démarre par le fonctionnement, et dans le fonctionnement, je démarre par les dépenses. Donc, vous voyez qu'on sera sur un budget toujours assez ambitieux, de plus de 11 millions d'euros hors opération d'ordre. On sera à 14 millions au global. C'est ça le budget de fonctionnement de la ville de Fouesnant, c'est 14 millions d'euros, vous le verrez tout à l'heure. Et là, vous le voyez que si on compare budget 2022 à 2021 avec ces décisions modificatives, on va être sur du plus 3% en moyenne sur l'évolution des charges. Plus 3,23 sur les charges personnelles et plus 4,37 sur les charges générales. Ces deux postes, charges générales et charges de personnel, étant les deux postes importants qui conditionnent le budget.
Alors oui, on abandonne la barre qu'on s'était fixée à 3 millions, 3 millions 100. On sera maintenant plutôt sur du 3 millions 5, vous le voyez, et encore en serrant au maximum ces charges de fonctionnement. Je rappelle que déjà en 2021, on était sur une hausse significative des charges de fonctionnement, hein, de 0,11, avec les assurances qui avaient pris 59 000, les achats de livres qui étaient revenus, livres et ouvrages pour la médiathèque qui étaient revenus de l'investissement au fonctionnement, le pôle enfant-jeunesse qu'on avait majoré, et puis les spectacles également. Donc, 2021, on était déjà dans ce trend de hausse, et 2022, on y est contraint, et ça amène à 3,5 millions. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 3,5 millions? Eh bien, vous le voyez, l'effet marquant, ça va d'abord être l'énergie. L'énergie, le coût de l'énergie augmente, notamment le coût de l'électricité, et le contrat qui a été revu là, pour les 3 ans à venir donne une hausse de près de 100 000 euros à iso-consommation par rapport au budget de l'année passée. Autre point, la culture aussi, mais là, c'est de notre fait, lié à des spectacles un petit peu exceptionnels, tels que le spectacle de Proust, mais aussi des dépenses liées au fonctionnement du troisième lieu, mais qui vont donner des recettes équivalentes de manière à maîtriser le coût global. On a également un marché de Noël que l'on entend pérenniser vu le succès de l'édition 2021, donc il va générer quelque 60 000 euros de charges complémentaires aussi. On espère, et on l'a inscrit comme tel en tout cas, la reprise de toute la partie cérémonie et fête qui devrait donner un petit 30 000 de plus. Et puis, on a également, je vous le disais tout à l'heure, les transferts de compétences vers la communauté de communes qui vont générer moins de charges, mais qui vont aussi générer quelque part, vous le verrez dans les recettes, une attribution de compensation, donc c'est ce que nous verse la communauté de communes, qui sera baissée d'autant, mais on verra ça dans le cadre du transfert de charges. Donc, je veux dire par là que si certaines compétences sont transférées à la communauté de communes, eh bien, le coût de fonctionnement de ces activités-là, il est pris en charge par la communauté de communes. Du coup, eh bien, nos charges baissent d'autant. C'est aussi simple que ça. Quelques charges complémentaires sur des locations mobilières de matériel, et des charges complémentaires également sur les contentieux liés à l'URBA pour 15 000, et puis un peu de frais de communication supplémentaires aussi liés à des projets que l'on a, notamment la création d'un livre de recettes qui mettra en valeur les recettes fouenantaises, enfin, du pays fouenantais, on va dire, et qui permettront ainsi de donner vie aussi à cette partie-là sur la gastronomie. Si vous voulez le détail, donc on est sur du 3 515, hein, donc vous les retrouvez ici en globalisé pour vous montrer l'évolution des différents postes, et vous allez retrouver ici les principales évolutions de budget à budget, ce que j'ai pu commenter avec les faits importants que je commentais comme l'électricité, la baisse des fournitures. Là, c'est lié à des travaux qui étaient faits en régie. Donc, sous-entendu, la commune a acheté les matériaux. Ça a été fait par le personnel technique. Et donc, cette année, on abandonne ça, on n'aura pas ça. Donc, ça crée quelque 70 000 de travaux régie en moins. Vous retrouvez ici les locations de matériel et les dépenses liées aussi à la patinoire. 42 000 de contrats de prestations supplémentaires. Ben là, tout simplement, c'est se dire que le patrimoine de la ville augmente et donc la maintenance de tout ça augmente aussi. Et tout ça, ça va de pair. Sur la partie entretien, dans toutes ces lignes-là, on est à moins 77 000 parce qu'on a quelques dépenses significatives en moins, notamment la barge sur laquelle on avait fait des travaux. Donc, ça avait majoré l'an passé, on va dire. Et pareil sur le bateau aussi, 27 000 de moins. Donc voilà pourquoi on arrive à cette baisse-là. Quant à la maintenance, donc les moins 47 000, le lien est avec le transfert de compétences vers la communauté de communes pour moins 51 000. Les frais de contentieux, j'en ai parlé, plus 15 000. La reprise des festivités, elle est là. La communication, vous la trouvez ici également. Et puis là, on a le fait qu'il n'y ait pas le projet éco-citoyen comme en 2021. Et donc, c'est moins 45 000. Voilà, donc on arrive sur du 3 515 000 de charges générales. Ça fait une hausse importante par rapport au budget de l'an passé, oui. Une hausse encore plus importante par rapport à l'atterrissage,
puisqu'on a pu faire l'économie de certaines charges pendant la période de Covid. Si je reviens maintenant au deuxième ligne, qui est en fait le plus gros poste dans les dépenses de la ville de Fouesnant, c'est les charges de personnel. Elles augmentent, oui, et on sait pourquoi. Elles augmentent de près de 200 000, parce qu'on renforce les équipes municipales aussi à deux niveaux. Recrutement d'un policier municipal, il y a un sens aussi à tout ça, c'est pour assurer la sécurité et quelque part la sérénité de nos Fouesnantais. Et deuxièmement, également une embauche au niveau des services techniques qui en ont besoin. À côté de ça, donc ça va justifier à peu près 100 000 euros de variation de charges de personnel. À côté de ça, on aura la traditionnelle revalorisation des salaires, le glissement en vieillesse, technicité et les revalorisations pour 2%. Donc rien d'anormal non plus là-dessus. On a, à iso-effectif, on a toujours des charges de personnel qui augmentent. J'en arrive maintenant donc, à des postes de moindre importance, tels que l'alternation de produits. On va y trouver ici la taxe de séjour, la taxe de débarquement et le FPIC. Sur ces choses-là, le FPIC, et c'est une petite bonne nouvelle, il baisse de 20 000, hein, c'est le fonds de péréquation de intercommunal, donc pour représenter quand même une dépense de 189 000, donc ce n'est pas rien. On y met aussi la taxe de débarquement, celle sur laquelle je vais vous demander de vous positionner, pour 25 000. Donc là, il s'agit des sommes que l'on reverse au budget des ports pour l'équilibre de ce budget des ports, donc qui a été pendant quelques années à 15 000 et qu'on est obligé de porter à 25 000 pour l'équilibre de ce budget. On y trouve enfin la taxe de séjour qu'on a portée à 320 000, plus 45 000 par rapport au budget 2021, taxe de séjour qui finalement, avec les bons niveaux de recettes 2021, nous a amené à majorer ce montant-là. Je rappelle que là, il s'agit d'une dépense, donc c'est ce qu'on reverse à l'Office du tourisme, mais étant entendu que tout ce que l'on perçoit en taxes, on le reverse à l'Office. Donc vous trouvez le même montant de part et d'autre. En autre charge de gestion courante, on va trouver les indemnités des élus, les subventions aux associations notamment. Et dans ces associations, on va trouver l'OGEC pour une inscription pour 291 000. On a dû verser 265 000 l'année dernière. Et donc, on se met une provision supplémentaire par rapport à l'évolution éventuelle des effectifs. Comme je le disais dans la première diapo, on est aussi sur le maintien d'une enveloppe majorée aux associations pour 150 000. Je rappelle qu'il y a 3-4 ans, on était plutôt sur du 120 000 à peu près sur les associations. Donc, on majore. Pourquoi ? Parce que certaines associations sont privées de manifestations pendant la période estivale, ou privées de troc et puce. Et donc, il s'agit de les soutenir dans des périodes comme celle-ci pour assurer leur pérennité, bien évidemment. Dans ces associations, on va trouver celles qui... des enveloppes, on va dire, majorées, telles que la raquette du Pays Fouesnantais, mais aussi l'USF. Et puis, une enveloppe aussi, dans la rubrique solidarité, une enveloppe au CCAS pour 20 000, comparativement aux 10 000 que l'on versait initialement. Voilà, du côté des charges financières, les nouvelles sont plutôt bonnes. Les taux d'intérêt sur la dette moyenne continuent de baisser, lié au dernier financement qu'on a fait des taux extrêmement bas. Pour preuve, le 0,38 qu'on a pu obtenir sur le 1,2 million qu'on a contracté en 2021. Donc, on est là aussi sur 35 000 de moins en termes de charges financières. Et puis, on va garder dans ce budget, vous le voyez, une ligne de dépenses imprévues de 200 000, qui est nécessaire aussi parce qu'il y a toujours quelques imprévus au niveau d'une ville comme la nôtre. Voilà, et tout ceci nous amène à 11,5 millions, à quelque chose près. Alors, du côté des recettes maintenant, alors je vous disais que les charges avaient augmenté de 3%, et bien les recettes, elles vont augmenter, alors du moins dans le prévisionnel, d'au moins autant, puisque vous voyez, on est parti sur une augmentation de 3,39%. Donc, on va se dire qu'on a une progression de nos produits comparable à celle de nos charges, ce qui devrait permettre de maintenir l'autofinancement au niveau souhaité.
La première ligne, l'atténuation de charges, a trait à ce qu'on l'on perçoit des assurances en lien avec le personnel absent. Donc, on continue à payer le personnel et on se fait rembourser par l'assurance. Donc, on est parti sur 100 000 euros, eu égard à ce qu'on perçoit les années précédentes. Dans les produits, services et domaines, vous le voyez, plus 78 000. Donc on aura un peu de spectacle, la restauration, le maintien des recettes de mise à disposition du personnel des ports, les recettes qui nous viennent de l'Office du tourisme aussi pour la prestation de prise en charge de la comptabilité, et ce qui nous vient des communes voisines également pour les prestations de permis de construire. Pour avoir le détail de ces 78 000, vous les avez ici, et le détail d'ailleurs de toutes ces lignes-là. Et vous voyez donc qu'on va avoir, enfin, les principaux postes, ça reste quand même les recettes provenant de l'archipel et de la médiathèque pour 428 000, qui sont majorées, comme je l'ai dit, mais liées à des spectacles exceptionnels pour certains aussi. Ensuite, sur le côté redevance à caractère social, la LSH ou la restauration scolaire ou extrascolaire, s'adressant là au personnel municipal et communautaire, voilà, on pense ici, il ne s'agit pas de hausse en tant que telle, on pense simplement retrouver le niveau d'activité qu'on avait avant Covid au niveau de la restauration globale. Voilà donc pour ces différentes activités, vous allez retrouver voilà, les 50 000 pour la mise à disposition du personnel des ports, 10 000 pour la prise en charge de la comptabilité de l'OMT, et donc le remboursement des frais pour une petite faute ici, pour les permis de construire pour Saint-Évarzec, Pleven et Gouesnard, qui se montent autour de 40 000 euros, hein, donc c'est une activité qui va bien aussi. Voilà, le tout faisant 1,2 million. Alors, ensuite, on arrive à la plus grosse ligne sur le budget, c'est la ligne des impôts et taxes, qui se monte, vous voyez, à 10 586 000, en tout cas c'est ce qu'on a inscrit au budget, donc 379 000 supplémentaires. Alors, on est parti, et je vais vous donner le détail ici, hop, voilà, on est parti sur 200 000 d'impôts directs locaux supplémentaires. Je rappelle que dans ces impôts directs locaux, donc on a plusieurs choses qui peuvent jouer là-dessus. D'abord, c'est l'évolution de nos bases, c'est-à-dire que davantage de logements à Fouesnant, effectivement, vont donner davantage de taxes foncières, en toute logique. Et quand on voit aujourd'hui l'évolution de l'immobilier sur Fouesnant, je pense qu'on est dans le vrai en mettant ces 200 000 euros. Après, on aura, et ça on attendra le prochain conseil pour avoir, je pense, l'état 1259 qui nous donne l'évolution des bases, la revalorisation plutôt des bases. Et cette revalorisation-là devrait tenir compte de l'inflation, et donc on attend une revalorisation de l'ordre de 3%, mais attendons d'avoir les montants définitifs qui vous sont présentés, ça fera l'objet du budget supplémentaire lors du conseil du mois d'avril. Voilà, donc on attend 8,8 millions. Oui, rappelez aussi que la taxe d'habitation est maintenant limité aux résidences secondaires, hein, et qu'à côté de ça, donc le mécanisme qui a été adopté par l'État quand il a supprimé la taxe d'habitation fait que les communes sont à peu près compensées pour l'intégralité de ce qu'elles percevaient avant par le biais d'un coefficient correcteur négatif ou positif selon la situation de la commune. En tout cas, de notre côté, vous voyez, ça, on perçoit la même chose indépendamment de l'évolution de nos bases. Toujours dans ce chapitre-là des 10,5 millions, je parlais tout à l'heure de l'attribution de compensation. Donc ça, c'est l'attribution que nous verse la communauté de communes qui va être, elle, à la baisse puisqu'il y a prise en charge par la communauté de communes d'activités, de compétences complémentaires. Donc, ce n'est pas 100 000 de baisse comme ça. Ça fait l'objet d'un chiffrage bien précis de toutes ces compétences qui sont transférées et j'y reviendrai dans la délibération 1.3. La taxe sur les passagers, ensuite, on est parti sur 90 000. Vous voyez que l'année dernière a été plutôt bonne, donc espérons que ça continue. On est parti sur 30 000 de droits de place, 320 000 de taxes de séjour. Je l'ai commenté tout à l'heure, sachant qu'on était quasiment à 300 000 avec le versement important qu'on a pu percevoir en décembre. Et puis, il reste cette taxe additionnelle sur les droits de mutation
qui atteint un niveau record en 2021, vous l'avez sous les yeux, un peu plus d'un million. Et donc, par prudence, on est parti sur 850 000, considérant que le marché de l'immobilier continue de bon train sur cette tendance. Mais par prudence, on est parti sur 850 000. Notez que ça, ces 850 000, ça fait quand même 200 000 de plus qu'en 2021. Donc, sachons rester prudents quand même. On n'est jamais à l'abri d'un tassement de cette évolution. Voilà, au niveau des dotations, tant que j'y suis, dotation globale de fonctionnement et dotation nationale de péréquation, après la période de forte baisse qu'on avait connue en début de mandat précédent, là, on est plutôt sur la stabilité et tout ça nous rapportant 1,3 million à quelque chose près. Vous les retrouvez ici, dans les dotations et participations, sachant qu'on a là-dedans autre chose que ces DGF et DNP. On a aussi le contrat enfant-jeunesse, donc la subvention du département, 171 000, pris la même chose que l'année dernière. Les dotations de la CCPF pour le fonctionnement du conservatoire aussi. Vous savez que la CCPF nous vient en aide, puisque le conservatoire, même s'il est municipal, a un périmètre sur le pays fonantais, intercommunal, et donc la CCPF couvre plutôt une partie du déficit des activités culturelles par ce biais-là. Sur les autres produits, c'est des petites lignes, 112 000, là, c'est essentiellement les revenus immobiliers de la ville, qu'ils soient Begmei ou ici les locaux de la Poste, même s'ils seront un petit peu moindres du fait du déplacement des activités de la Poste sur Pleven, enfin partiel au moins. Et sur la partie autre, on va retrouver là-dedans le mécénat, on l'a chiffré pour 50 000, quelques produits de cession, 25 000, et quelques reprises de provisions. Et voilà, tout ceci nous amène, et c'est ça qu'il faut retenir, un budget de 13 996 529 euros, donc soit un budget approximatif fonctionnement de 14 millions pour la ville de Fouesnant. Voilà. Alors, quand on a vu les recettes, quand on a vu les dépenses, il s'agit de voir maintenant le rapprochement de l'un et de l'autre pour voir finalement l'épargne brute, à quel niveau elle finit. Et là, vous retrouvez ici donc ce que je viens de vous commenter, les 11 449 000 de charges hors opération d'ordre. Vous allez retrouver 638 000 aussi de dotations aux amortissements, comme n'importe quelle entreprise. Et par rapport à l'équilibre des budgets à 13 997 000, ça nous laisse donc un virement possible à la section investissement de 1,9 million. Et donc, au global, on retrouve bien nos 2,5 millions d'épargne brute, donc d'autofinancement prévisionnel pour l'année 2022. Notez qu'on était sur des bases comparables en 2021, après décision modificative, et on va finir l'année avec un excédent de prévisionnel de 3,6 millions, qui nous permettra, et c'est ce qui vous sera proposé au prochain conseil, de maintenir avec un report en fonctionnement autour de 400 000 pour démarrer l'année 2022, et de virer 2,9 millions en réserve, c'est-à-dire l'excédent de 2021, le virer sur le budget investissement. Et c'est donc 2,9 millions qui vont venir alimenter aussi le budget investissement de 2022. Et tout ça vous sera présenté et sera soumis à validation lors de la présentation des comptes administratifs et fera l'objet d'une décision en budget supplémentaire pour virer ça sur l'investissement 2022. Voilà, donc retenons que même si les charges augmentent de manière significative, les recettes évoluent aussi favorablement, le tout permettant une épargne brute conforme aux ambitions que l'on a et en termes d'épargne brute et aussi en termes de virement à la section investissement. Voilà pour le fonctionnement. Je passe maintenant à l'investissement. Alors, je vous ai mis sur la même plaque les dépenses et les recettes d'investissement. Faire juste un petit coup de rétroviseur sur 2021 quand même pour vous dire que les investissements totaux de 2021 se sont montés à 6,2 millions avec 1,9 million de reste à réaliser, donc des travaux qui sont engagés aussi, et on va retrouver là-dedans une belle partie sur Cigogne, sur
sur la voirie aussi et un peu sur Sainte-Anne, vous les avez ici. Donc 6 millions d'euros, ça reste donc une année importante en termes d'investissement sur 2021. Et on a pu faire ça grâce à des subventions, bien évidemment, mais aussi avec un recours à l'emprunt de 2,6 millions. Mais retenez que dans ces 2,6 millions, là, on a 1,4 million de court terme liés à l'acquisition de Begmail à Gros Campus. Tout ça, c'était déjà aussi dans les restes à réaliser de 2021. Et que donc, le nouvel emprunt qui a été contracté en long-moyen terme sur 2021, s'élève à 1,2 million pour 1,7 million de remboursés sur 2021. Donc tout ça pour vous dire aussi que la dette 2021, elle est contenue, elle est maîtrisée. J'en arrive maintenant donc à 2022 pour vous dire que 2022 sera aussi une grosse année en termes d'investissement, mais vous l'avez compris quand vous avez vu la première délibération que je vous ai proposée avec la PCP sur Cigogne. On est sur 4,7 millions inscrit au budget 2022, ce à quoi il faudra rajouter 3,2 millions, mais je vais vous faire la présentation globale, que l'on pourra inscrire au budget supplémentaire une fois qu'on aura validé les comptes 2021 et une fois donc qu'on aura pu virer les 2,9 millions à l'investissement. Total, ça va nous faire aller un petit 8 millions d'euros d'investissement prévisionnel pour 2022, donc encore une grosse, très grosse année en termes d'investissement pour la ville de Fouesnant. Du côté des emprunts, vous le voyez ici, 2,20 millions inscrits en remboursement. Retenez là-dessus qu'il y a 1,7 millions de remboursements de long moyen terme et 300 000 à peu près, 292 précisément, de remboursements de court terme sur Begmail qui ont vocation à être renouvelés. C'était là les premiers courts termes qu'on avait fait dans le cadre de l'acquisition de la Villa Parker de mémoire. Voilà, ça nous donne donc un budget à 6,7 millions à ce stade sur les dépenses d'investissement. Et donc, du côté des recettes, eh bien, on va retrouver des recettes importantes du côté des subventions, 1,2 million, donc avec les grandes lignes, vous les devinez, c'est encore Fort Cigogne, bien évidemment, pour 900 000. C'est aussi la Vaillante qu'on a inscrit pour 200 000 et sur l'école pour 100 000. À côté de ça, 1,7 million d'emprunts nouveaux. Alors là aussi, je le redis, si on rembourse les 292 000 de court terme, on va les renouveler. Donc, ce sera un court terme aussi de ce même montant. Et donc, ça veut dire que le prêt, le nouveau prêt long-moyen terme de la ville sera d'à peine 1,5 million. Ce qui veut dire que le long-moyen terme va avoir une tendance encore baissière sur l'année 2022. Donc, lisez par là, 1,7 million de remboursés pour à peu près 1,5 million d'emprunts nouveaux contractés. Et on reste, je vous le montrerai tout à l'heure, largement sous la barre des 15 millions pour la dette long-moyen terme de la ville. Le complément des recettes, on le trouve comme d'habitude sur le FCTVA, la récupération de la TVA. Comme 2021 a été une année importante en termes d'investissement, eh bien, l'année suivante, on récupère une bonne partie de la TVA, donc 785 000. Et puis, parce qu'aussi l'immobilier va bien sur Fouesnant, on espère aussi des taxes d'aménagement assez importantes. On a reconduit donc le même montant qu'en 2021, à savoir 450 000 euros. Et donc, vous retrouvez ici en complément les 1,9 million de virements à la section, de la section fonctionnement pardon, et les 638 000 de dotation aux amortissements, ce qui constitue donc l'épargne brute de la ville qui est ainsi basculer sur l'investissement. La question après, c'est de voir donc qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement quand on vous annonce 4,7 millions maintenant et 3,2 millions à suivre au BS. Comment sont ventilés ces 7,9 millions? Donc, vous en avez une petite illustration ici avec donc Fort Cigogne 1,2 million, donc conformément à ce qu'on vient de mettre sur la PCP. En voirie, ça va être également une année importante avec un peu plus d'un million. Les programmes prévus, donc l'allée des Mésanges, Ent, Fouesnec, Gosfort, Begmail, le chemin de Kergaradec également, un petit morceau sur la route de Kergodoen, la cité de Kerello un petit peu aussi, le hameau de Kerana, le chemin de Kerlédan au Cap-Cause. Et on met également une ligne importante sur les revêtements superficiels
de manière à éviter des grosses dépenses qui amèneraient à refaire toute la route si la dégradation est trop poussée. Donc ce système de revêtement superficiel permet de faire de petites dépenses et d'entretenir finalement le tapis plutôt que d'avoir des gros travaux à l'avenir. Nous avons également donc des immeubles corporels et terrains nus, donc essentiellement des acquisitions comme la maison d'à côté, Carnevez, à côté de l'école, pour 360 000 de mémoire, et également une autre acquisition de la maison à proximité de la CCPF, si l'occasion peut se présenter aussi. Voilà un bien immobilier qui doit rentrer dans le périmètre de la collectivité. L'investissement sur la Vaillante, 800 000, qui sera scindé en deux tranches, une partie BP, une partie BS. Je rappelle quand même ici, j'ai mis l'intégralité, budget primitif et projet de BS. Des travaux, oui, le cinéma, j'avais oublié, pardon. Le cinéma, oui, on envisage le démarrage des travaux pour un investissement qui va être important et qui va être étalé aussi sur trois années probablement. Donc voilà une première tranche en tout cas pour le projet cinéma. Sur le réseau d'eau pluviale, aussi une enveloppe majorée par rapport à un bassin aussi à édifier dans le bas du bourg, côté de l'école Notre-Dame. La construction du centre nautique au Cap-Cause pour 400 000 euros. L'acquisition de garages communaux aussi dans les locaux juste à côté de l'école de Kérouguet, de manière à ce que la ville ait aussi le nombre de places qui va bien en termes de parking. La rénovation de l'accueil de l'office de tourisme à Kernevelec, on inscrit 358 000 à ce stade, en attente aussi de chiffrages plus précis. La rénovation des locaux associatifs de Kérouguet pour 350 000. La signalisation avec deux choses là-dedans, le volet signalisation que l'on fait habituellement, et puis une partie du projet de refonte de la signalisation qui sera étalée sur deux années. Au niveau des ateliers, des dépenses moindres qu'on avait par rapport aux années passées, avec tout simplement le remplacement de quelques matériels. Et puis après, voilà, quelques lignes de 100 000 sur les bâtiments scolaires, la mise en sécurité, avec quelques portiques à installer aussi. Sur le parc informatique, c'est les dépenses courantes avec 100 000. 100 000 sur l'église aussi, avec le lancement d'études pour la rénovation de l'église. Il s'agit simplement d'études, sachant qu'on va aussi vers des travaux importants qui sont sans doute à étaler sur plusieurs années. Et voilà un petit peu sur les chapelles et le terrain de foot aussi qu'il convient de rénover. Voilà donc les grandes lignes de ces travaux. Vous donner la répartition telle que prévue. Alors donc, les 4,7 millions, vous les trouvez sur le budget primitif, donc c'est celui qui va être soumis à votre approbation, d'accord ? Puis, quand on aura validé les comptes administratifs, donc on vous proposera ces enveloppes-là au niveau du budget supplémentaire, les 3,2 millions, le tout faisant les 7,9 millions, tels que je vous ai donné avec les histogrammes à l'instant. Dans ce budget supplémentaire, vous allez trouver le cinéma, les acquisitions d'immo corporels, les eaux pluviales, on a parlé, la Vaillante, qui va être, la grande ligne va être sur le budget supplémentaire, parce que ça ne démarre pas tout de suite, l'accueil de l'OMT, pardon, et les garages communaux. Puis la rénovation du pôle associatif, et enfin, le centre nautique du Cap-Cause. Je vous ai mis également, pour que vous ayez le détail, les subventions, donc 1,2 million qui figurent dans le budget primitif que je vous présente là, et puis près de 300 000 qu'on aura dans un deuxième temps, et vous voyez donc la répartition qui vont porter sur Cigogne, un petit peu sur la voirie, très légèrement, sur les bâtiments scolaires, sur la Vaillante, sur l'OMT, et un petit peu sur l'espace associatif de Kérouguet. Voilà donc au niveau des investissements, ce que je vous propose. Vous donner un petit focus sous forme de présentation plus agréable à lire de ce qu'est l'évolution des endettements, des investissements pardon, sur la ville de Fouesnant. Donc voilà, vous remarquez que depuis qu'on a lancé Fort Cigogne, on est sur des programmes relativement importants d'investissement, permis aussi par des subventions importantes. Et vous donnez également l'évolution de l'encours de la dette que l'on suit aussi de près. Alors,
Jusqu'en 2016, on n'avait qu'une dette long moyen terme. Depuis lors, depuis les premières acquisitions donc, de Parker, on est sur un petit peu de court terme. On a 2 415 000 de mémoire d'encours sur Begmay, que l'on entend valoriser aussi par la cession de tout cet ensemble agrocampus et terrain et Villa Parker pour en faire une belle opération au service de l'économie touristique de Fouesnant et du pays fouesnantais. Donc, lorsqu'on vendra Begmay, on soldera ces courts termes et il nous resterait donc quelque chose comme 13 millions de dettes long moyen terme si tout est soldé en 2022. Actuellement, nous sommes sur une dette de 16 millions 009, donc une dette contenue, hein, et on sait bien pourquoi elle est à 16 millions, c'est parce qu'il y a ces 2 millions 4 sur Begmay, avec un patrimoine en face aussi, je le dis. Voilà, sur le budget de la commune, en synthèse, bon, bien évidemment, un budget à la hausse en fonctionnement, hein, l'effet marquant, c'est la hausse de l'énergie, la reprise des activités aussi, le renforcement des effectifs de la ville, mais c'est nécessaire. À côté de ça, ben le dynamisme de nos bases nous sert aussi sur les recettes fiscales, bien évidemment, confirmant là l'attractivité de la ville. On reste sur une fiscalité stable au niveau des taux. Après, on verra pour la revalorisation des bases, ça c'est autre chose. Et un budget qui intègre aussi ces notions de solidarité, telles que j'ai pu vous le mentionner. On est sur une année d'investissement important, très important même, avec le lancement d'équipements qui nous tiennent à cœur, qui étaient inscrits dans notre programme, comme le projet cinéma, mais aussi des projets patrimoniaux, comme la poursuite de Cigogne et le lancement des études sur la rénovation aussi de l'église Saint-Pierre. La contribution au plan de relance aussi, je l'ai mentionné, par le biais de la rénovation des écoles ou des espaces associatifs. Des aides significatives aussi, puisqu'on parle d'1,5 million de subventions au global sur 2022, en intégrant budget primitif et budget supplémentaire. Un endettement, je vous l'ai montré, contenu à 13,5 millions. Et donc, tout ça nous donne de bons équilibres financiers, puisque vous le voyez ici, le ratio de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut pour se désendetter par rapport à l'épargne brute qu'on peut afficher, on espère un atterrissage autour de 4. Hein, vous voyez où c'est qu'il a été. On a été sur du 5, on a été sur du 7,7 en 2013, quand notre dette était importante et l'autofinancement n'était pas de ce niveau-là. Aujourd'hui, voilà, et avec ce qu'on met dans le montage du budget primitif, on envisage donc un ratio à 6,2. Mais je rappelle aussi qu'il faut, on ne compare pas tel quel un budget primitif à des comptes administratifs. Un budget primitif se construit avec prudence. Voilà ce que je peux vous dire. Et finalement, oui, c'est un point important aussi, c'est une dette qui est totalement ou quasi totalement sécurisée, puisque la part de la dette qu'on a en taux fixe ou avec des taux variables indexés sur le Euribor, qui sont des index que l'on maîtrise bien, c'est 90% de la dette. Donc, on n'a quasiment plus d'emprunts structurés et on en a un. Et encore, faudrait-il que les taux longs montent très sensiblement pour que le mécanisme soit activé. Donc, on est plutôt tranquille par rapport à la gestion de la dette. On avait mené aussi cette opération il y a 4-5 ans de désensibilisation de la dette. Voilà ce que je peux vous dire sur le budget communal. Les autres budgets, ça va être un petit peu plus rapide, bien évidemment. Hein. Le budget des ports, on est sur un petit budget cette fois-ci. Vous voyez, il est autour de 230 000 euros. Globalement stable, ce budget-là. Du côté des charges, 65 000, on aura essentiellement les dépenses d'entretien, de mouillage et un peu de redevance pour l'occupation. Les 50 000, tels que je vous les ai montrés aussi, dans le budget communal, mais cette fois-ci du côté des charges pour le budget des ports, c'est le paiement des salaires et donc le reversement au budget communal de 50 000. Un petit peu de charges financières, puisqu'on a un encours autour de 800 000 sur le budget des ports. Du côté des recettes, 225 000. Alors, c'est essentiellement les redevances portuaires qui s'élèvent à 200 000. On a reconduit à peu près l'enveloppe de l'an passé et on a vu un atterrissage à 211 000. Ceci dit, on a déjà les tarifs portuaires plutôt élevés, donc on ne voit pas comment on pourrait augmenter ces redevances portuaires pour améliorer l'équilibre,
Donc, on fait l'équilibre plutôt par le reversement d'une partie de la taxe de débarquement pour 25 000. Tout ça nous donnant une épargne brute de 88 000 euros à peu près, tout juste satisfaisante par rapport au remboursement des prêts sur le budget des ports, mais on tient nos équilibres, on va dire, avec un budget qui est juste à l'équilibre. Voilà du côté du fonctionnement pour le budget des ports. Pour l'investissement, donc 70 000 en dépenses d'équipement sur le budget des ports, on va y trouver essentiellement les mouillages innovants du côté de Mousterlin. Ils vous avaient été aussi présentés lors de conseils municipaux précédents, donc pour 35 000, et autrement, études contrôle sur la cale de Saint-Nicolas aussi pour une enveloppe globale de 20 000. Je rappelle aussi que pour les mouillages innovants, on devrait avoir une subvention qui était inscrite l'an passé, qui est ici, et qu'on va vous proposer cette fois-ci au budget supplémentaire en avril. Du côté des recettes sur le budget investissement des ports, on va recourir à l'emprunt cette année. On a inscrit 76 000. Je rappelle que deux années de suite, on n'a pas fait de prêt, pas d'emprunt réalisé. Donc, on a une baisse de l'endettement aussi. Et vous le voyez, quand je disais 800 000, c'est même un peu moins. On est à 737 000 d'encours sur le budget des ports. Voilà. Je passe maintenant au budget des lotissements. Que dire sur le budget des lotissements? Donc, vous savez, c'est toujours toute une série d'opérations d'ordre sur les budgets de lotissement, donc ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Mais pour vous en faire une lecture simple, retenons que sur Kerourgué, donc les ventes qui ont été réalisées, c'est la vente à Vinci en vue de la construction de la résidence senior pour 500 000 et la vente pour la partie du bas qui était faite à l'OPAC avec les trois collectifs. Et donc, il va englober le cabinet médical, entre autres. Donc, ça a été fait. Et donc, on prévoit la vente du reste du lotissement de Kerourgué pour 577 000, cette fois-ci pour à l'OPAC. Hein. Donc, c'est ce que vous allez trouver ici sur le plan. Donc, ça a été vendu, c'est Vinci. Ça, c'est l'OPAC pour le collectif. Et donc, on aura là les lots individuels au niveau de l'OPAC. Tout ça ayant fait l'objet de délibération aussi. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, eh bien, que va-t-il se passer du côté de la partie investissement sur Kerourgué? Eh bien, on a un encours de prêt d'1 million 70 000 qu'on avait début 2021. On a remboursé une partie, il reste 720 000. Et donc, les ventes de l'année 2022 devraient permettre de solder le court terme qui est de 350 000. Et donc, on aura par là une dette soldée sur Kerourgué, et avec donc un léger bénéfice sur Kerourgué, puisque vous voyez 577 000 de ventes pour 350 000 de court terme, donc on devrait avoir cet excédent sur Kerourgué. Ceci dit, pour l'équilibre du budget, on a inscrit les 544 482 de remboursement d'emprunt au budget investissement. C'est juste une écriture vue avec le trésor. Voilà, donc on entend ainsi solder la ligne Kerourgué. Du côté de Manner Querello, là aussi, au-delà de toutes les opérations d'ordre que vous pouvez voir là, donc se rappeler qu'on a eu en dépense l'achat du terrain pour 430 000 en 2018, qu'on avait inscrit 1 100 000 d'aménagements, la route, viabilisation, muret, etc., et qu'on reporte toujours le solde qui n'a pas été fait sur l'année 2022. Donc, ce n'est pas forcément 495 000 de travaux qui vont être faits, c'est simplement le report de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a pas dépensé. Ont été réalisées les ventes suivantes, funérarium pour 190 000 et 6 terrains pour presque 500 000. Donc, reste à réaliser des ventes à Finistère Habitat pour un collectif de 24 logements, 93 000, les 8 PSLA pour près de 200 000, un autre collectif à Finistère Habitat pour 227 000 et 8 lots libres pour 320 000, pardon, plus une partie à l'OPAC pour 48 000. Donc on attend globalement 885 000 de ventes de terrain, si tout se fait du moins sur 2022. 885 000 de ventes, donc reste à savoir comment sont utilisés ces fonds ensuite au niveau de l'investissement. Eh bien, sur Manner Querello, on a deux courts termes qui courent pour des montants résiduels de 930 000. Et donc, on entend bien affecter l'intégralité de ces ventes immobilières au remboursement des courts termes
Il nous manquera un petit quelque chose, donc on sera légèrement en déficit une fois tout vendu sur Manère Querello, mais vous comprenez bien que donc chaque fois qu'on solde un budget de lotissement, l'excédent ou le déficit, il est rebasculé sur le budget communal et que l'excédent qu'on aura sur Kérourgué compensera largement le petit déficit qu'on aura sur Manère Querello. Voilà, donc là aussi, de belles avancées attendues sur les deux lotissements phares de la ville sur 2022. Du côté de Borlogoth, là, les choses sont plus simples puisqu'on a simplement reconduit ce qui était prévu en 2021 et qui n'a pu être réalisé puisque l'acquisition des terrains qui appartiennent à Bréoulou aujourd'hui, enfin, c'est via Bréoulou en tout cas. C'est à partir au lycée. Ouais. Au lycée, donc on est un petit peu dépendant de ce que fait le département par rapport à ça. Donc quand ça se présentera, on sera prêt à le faire, en tout cas pour 216 000, qui seront financés intégralement par un crédit court terme aussi, même chose que pour Kérourgué. Je rappelle juste que ce lotissement de Borlogoth porte sur un peu plus de 6 000 mètres carrés. Et il reste donc le dernier budget, petit budget s'il en est un encore, puisque ce coup-ci, c'est vous voyez, du 15-20 000 euros. Donc, c'est le budget de production et de revente de l'énergie. Il s'agit là des panneaux photovoltaïques qui ont été montés sur le boulodrome et sur l'auvent des services techniques. Et donc, ces panneaux-là produisent à peu près pour 20 000 d'électricité. Bon, alors, une fois solder nos petites charges de fonctionnement, nos petits frais de fonctionnement, les petits impôts sur les bénéfices qu'on peut avoir aussi, dégagent un petit excédent. Donc, je dirais, il n'y a pas de sujet, je pense, sur ce budget-là qui, en tout cas, est excédentaire, même si on joue sur des petits montants. Voilà, moi, je vous ai présenté là l'ensemble des budgets de manière synthétique. J'imagine qu'il y a quelques questions sur ces budgets-là aussi. Donc, s'il y en a, je vous écoute. Je vais la montrer. Claude, tu reprends peut-être. On va l'approcher, ce sera plus simple. Vous êtes sur quelle page ? Annexe 1. Oui, mais page. Il n'y a pas de page sur l'annexe. L'annexe 1, juste, tu continues, Claude, si je vais pas loin. Ah, d'accord. L'annexe 1, je croyais que vous parliez de la M14. Non, pas encore. Alors. Budget primitif 2022, les informations financières. Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. J'ai l'impression que les informations financières, notamment, il aurait fallu qu'il y ait le coefficient de mobilisation de potentiel fiscal qui n'est pas là. C'est l'indicateur de pression fiscale. Sur la M14. On le trouve sur la M14 ? Oui. D'accord. Là, ouais, alors c'est vrai que c'est une synthèse, hein, comme son nom l'indique, une note de présentation. C'est une obligation de donner une synthèse de tous ces budgets pour que. Oui, il y avait 11 critères, voilà. 11 informations à donner, j'en ai 10. Donc, on regardera plus tard. Et moi, je regarde, parce que j'ai essayé de comprendre, parce que c'est la première année que je viens, donc il y a des chiffres, beaucoup de chiffres. Ce que je remarque, c'est qu'il y a. Et des dépenses de fonctionnement que ça génère au niveau de la communauté de communes, à la section investissement. Mais retenez bien que quand on transfère une compétence, effectivement, c'est une charge supplémentaire pour la communauté de communes. Ouais. Mais la communauté de communes, de la même façon, et ce sera la délibération à suivre, elle va baisser son attribution de compensation aux communes du territoire. En l'occurrence, je vous ai montré qu'il y avait 100 000 de moins. Alors ça, c'est versé à la commune de Fouesnant. Ouais. Mais je vous ferai voir tout à l'heure. Globalement, ça va se traduire aussi pour les autres villes. Oui, parce que la communauté de communes, elle prend du personnel pour réaliser ses services supplémentaires. Donc, il faut bien qu'elle les paye. Et du coup, elle minore son attribution de compensation. Je vous remercie. Ouais, juste en complément de ce que vous dites, Bruno, dans le transfert des compétences, on a transféré une partie de l'éclairage public. Et cet éclairage public, on n'a pas un budget annexe éclairage public au niveau de la mairie. Donc, on n'avait pas,
on n'avait que les charges de fonctionnement, puisque c'était dans le budget général. Alors que par le passé, quand on a transféré l'eau et l'assainissement, donc là, c'était des compétences globales avec des budgets annexes pour l'eau et l'assainissement. Donc, il dit transfert de charges, dit transfert de recettes et transfert des dépenses avec et reprise des emprunts. Voilà, donc c'est pour ça, même si elles sont importantes dans le fonctionnement, voilà, on aura donc cette attribution, mais il n'y a pas d'emprunt à transférer, donc il n'y a pas d'endettement de la communauté en plus avec ces transferts de compétences. Il y a les espaces naturels également. Alors sinon, la ligne 5, l'encours de dette par rapport à la population, cette année, il y a 1547 euros. L'année dernière, on était autour de 1600. Du coup, le nombre semble baisser parce que la population augmente, donc c'est mécanique. Comme la population augmente, si, ouais, on réduit la pression fiscale légèrement, mais la moyenne de la strate est de 800 euros au niveau national. Donc, on est largement au-dessus. Oui. Parce que votre courbe était assez trompeuse, parce qu'on avait l'impression que ça diminuait fortement, mais la moyenne nationale n'y apparaissait pas. Quoi. Alors, elle n'est pas trompeuse du tout, elle est factuelle. Et les chiffres sont ce qu'ils sont. Oui, d'accord. Mais en l'occurrence, la dette, elle est de 16 009 000. Oui, elle ne bouge pas. Ça, Donc, en fait, on n'arrive pas à rembourser la dette. Par contre, pour être... Je finis juste. Ah. Oui, d'accord. Et vous me dites si je me trompe dans mon raisonnement. Donc, on a une dette qui est supérieure de 90% à la moyenne de la strat. On n'arrive pas à rembourser la dette, et donc le seul moyen de réduire la pression fiscale est d'augmenter le nombre d'habitants à Fouesnant. Attendez, répétez un peu, non ? Attendez. Attendez, monsieur Martin, vous répétez tout doucement. Là, il y a un truc, là. En fait, la dette ne baisse pas. La dette ? Ne baisse pas. Elle baisse par rapport à la population, parce que la population augmente. Non. Donc la pression fiscale diminue légèrement. Bello va vous répondre, mais là, non, là... C'est pas du tout ça. Mais continuez toujours, on va vous répondre. Si on fait 1547 fois 10 000 habitants, ou si on fait 1600, qui était celle de l'an dernier, fois les 9800 habitants, on arrive à peu près à la même somme. Je viens de dire, monsieur Mérien. Mélangez pas les petits pois et les carottes. Continuez, on va vous répondre. Non, moi j'ai fini. C'est juste que la dette reste la même et l'encours de dette par rapport à la population baisse légèrement parce que le nombre d'habitants augmente. Alors, il y a les deux. Bruno, je vais vous donner ma lecture, en tout cas, de l'affaire. Première chose, quand vous dites on n'arrive pas à baisser la dette. Moi, je le montant montré... global. Quoi, le montant global. Moi, je dis que si, on peut baisser la dette, et quand on veut baisser la dette, on la baisse. La preuve en est, début de mandat 2014, on était à 17,3 millions. La baisse des dotations arrive par là, et on baisse la dette, puisque aujourd'hui, la dette long-moyen terme, elle est de 13,5 millions et 16 millions au global. Voilà. Comme l'an dernier. Attendez. L'an dernier était 16 millions également. Je vais continuer si vous voulez. Oui. Notez bien quand même, monsieur Martin, que dans cette dette, et je vous l'ai précisé, on a 2,4 millions sur Begmay. Et avec du patrimoine en face. On aurait très bien pu ne pas faire l'acquisition de Begmay. Je peux vous dire que les promoteurs s'en seraient chargés sans problème. On a choisi autre chose. Effectivement, il y a 2,4 millions de dettes, mais il y a un patrimoine en face. D'accord ? Sans quoi, la dette long-moyen terme. Voilà, et c'est celle-là qui compte à mes yeux, puisqu'il s'agit de voir effectivement combien d'années il faut pour la rembourser. Et bien, cette dette-là, elle sera de 13,5 millions en fin d'année 2022 par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc tout ça pour vous dire que quand on veut baisser la dette, on peut le faire. Non, qui c'est la dette ? Mais ce n'est pas le choix parce que nous, je vous ai dit, on suit une politique d'investissement dynamique. On considère qu'il y a des choses à faire à Fouesnant, que les Fouesnantais attendent certains équipements. Et voilà, et donc c'est notre politique. Je sais bien que vous ne la partagez pas, et je vois pas en quoi. Ça pose question, quoi. Je vois pas en quoi l'endettement tel que vous le considérez, vous le semblez dire qu'il est nuisible absolument. Bah, il est presque le double par rapport à la moyenne nationale, donc ça pose question. Oui, je veux dire, l'endettement fait partie des modes normaux de financement des investissements d'une collectivité, d'une entreprise ou d'un particulier qui, lorsqu'il achète sa résidence principale, s'endette. Alors après, sur le sujet de « on a une dette qui est supérieure à la moyenne nationale », oui. Largement. Et on a aussi des recettes qui sont supérieures à la moyenne nationale. D'accord ? Ensuite, quand vous rapportez ça à la population, n'oubliez jamais une chose, c'est que sur Fouesnant, on a quand même beaucoup de résidences secondaires qui payent de la taxe d'habitation, qui payent de la taxe foncière. Donc, ce ne sont pas des habitants au sens des 10 348 que vous avez sous les yeux,
Mais sur la, enfin, il faudrait avoir une population recalculée, et c'est un peu comme ça qu'on entend au sens DGF, hein, c'est comme ça, et celle-là, elle sera de 12 500 à peu près, et ça ramènerait déjà beaucoup plus bas et dans des normes comparables, cette fois-là, avec des moyennes départementales. Donc moi, je vous dirais, pour résumer mes propos, oui, on a un endettement qui est important, mais qui est totalement maîtrisé. Il est maîtrisé parce qu'on a un autofinancement digne de ce nom. Et ce qui fait qu'on a encore eu, c'était au printemps dernier, le rapport d'analyse du Trésor public sur les comptes de la ville de Fouesnant. Je peux vous dire que tout était au vert, sans problème. Alors, si Bruno a fini. Oui. Alors, juste pour compléter les propos de Bruno, je pense que, Monsieur Martin, une dette, quand vous prenez le chiffre de 1547 euros, c'est un indicateur. C'est un indicateur, et vous avez, comme l'a rappelé Bruno, des communes, on n'a pas donc la même physionomie. Et nous, c'est vrai qu'on a une commune qui est assez atypique, avec des résidences principales, des résidences secondaires, et où la taxe d'habitation restera sur les résidences secondaires. Et dans la loi des finances qui arrive pour 2023, voilà, les résidences secondaires seront un ballon d'oxygène pour... voilà. Cet indicateur n'est qu'un indicateur. Le seul truc dans la dette qui compte, peu importe le chiffre de la dette, je veux dire, peu importe le chiffre de la dette, c'est la capacité à la rembourser. Et quand vous êtes en capacité de rembourser votre dette en dessous le seuil de 6 ans, vous êtes dans des indicateurs qui sont verts. Peu importe. Par contre, on peut avoir des mauvaises dettes. Des dettes qu'on peut faire sur des équipements qui vont coûter cher en fonctionnement, coûter cher en entretien. Nous, dans la dette aujourd'hui qu'on est en train de vous proposer, parce qu'il y a des travaux, une dette, on n'augmente pas la dette, mais dans les 8 millions presque d'euros de travaux, il y a des travaux sur les économies d'énergie de façon conséquente. Voilà. Deux, voilà, on va aussi faire œuvrer dans le social, comme l'a rappelé Bruno, et aussi on tient nos engagements par rapport au cinéma. Et tout à l'heure, quand vous disiez, la commune de Fouesnant a passé les 10 000. Elle avait déjà passé l'année dernière les 10 000. Hein. On était à 10 100. Alors, ce sont des chiffres de l'INSEE. Ces chiffres de l'INSEE ont presque 3 ans de retard. Et ce sont des estimations. Et si aujourd'hui, on prend les permis de construire qu'on a délivrés depuis 2018, si on regarde le nombre de résidents qu'il y a, alors sur un T1, T2, on compte une personne par logement, sur tout ce qui est au-dessus du T2, on compte un 9, parce que c'est un 9 habitants par rapport à nos résidences principales. La commune de Fouesnant, aujourd'hui, on est plutôt sur les 11 000 habitants. Et quand je recroise ces chiffres avec donc les chiffres de l'eau, que je recroise ces chiffres également avec les chiffres de la communauté de communes sur les redevances donc des ordures ménagères, on tombe à peu près sur ces chiffres-là de 11 000 habitants pour fin 2021. Si vous voulez, c'est ce décalage qui est important. Et quand vous voyez aujourd'hui les constructions qu'il y a sur le centre-ville, donc on aura encore plus de recettes. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas rembourser notre dette. Notre dette, on peut la rembourser. Et demain, l'analyse de la dette sera faite sur des strates de communes littorales de plus de 10 000 habitants. Et là, vous allez voir que je pense que les dettes des communes littorales de plus de 10 000 habitants, on est plutôt à 1 500 euros au niveau national. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Mais si je peux me permettre, ne vous focalisez pas là-dessus, c'est un indicateur sur un panel de communes qui est très très large. Et comme l'a rappelé à juste titre Bruno, l'indicateur, c'est la capacité d'autofinancement qu'on dégage et la capacité de rembourser notre dette. Et tant qu'on est en dessous des 6 ou 7 ans, il n'y a pas de souci à se faire. Si on avait été à 12 ou 14 ans, le préfet aurait pris notre budget. Voilà. Et c'est... En dessous de 8, on est bien. Ouais. En dessous de 8, on est bien. Voilà, tout à fait. Surtout, suivant les équipements et le fonctionnement qu'on a. Il faut de la rigueur sur le fonctionnement. Après, il faut regarder aussi, si je peux me permettre, rapprocher ces quelques 15 millions de dettes à l'ensemble du patrimoine de la ville. Et quand on voit des biens comme l'archipel, qui ont quand même plus de 10 années, et l'état dans lequel ils sont, et tout le reste, je dirais, donc quand on voit ce qu'il y a en face de ces 15 millions de dettes, on peut être tranquille. Voilà. Alors, je vais citer un autre exemple, parce que vous parlez de la communauté de communes qui va augmenter ses dettes. Oui. La communauté de communes, avec le transfert de l'eau et l'assainissement, je prends l'exemple du budget de l'assainissement. Station de Penfalut, elle a coûté 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, financement, subvention,
70%. Alors la cession, elle n'est pas faite pour 10 ans ou 15 ans. La cession aujourd'hui, elle est faite pour 40 ans, peut-être plus. Mais 40 ans pour garantir une qualité d'eau dans le milieu naturel et garantir également une capacité d'accueillir des résidences nouvelles et des industriels. Parce que sur une station d'épuration, ce n'est pas les maisons qui font, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, demain, si on a un industriel comme Tipiac qui veut développer certaines activités, sa capacité donc de traiter pour une installation classée, il n'attendra pas 3 ou 4 ans qu'on fasse la station d'épuration. Lui, il faut qu'il ait tout de suite, quoi. Et il n'y a pas que y a Tipiac et il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres qui rejettent, hein, voilà, sur notre station, la forêt Fouenant avec l'usine, comment celle qui est à la grande date, là, voilà, qui est, j'ai oublié son nom maintenant, quoi, Polaris. Oui, voilà, tout vient chez nous et c'est des produits qui sont bien chargés, voilà, en, au niveau de pollution, soit donc en DBO, voilà, parce que c'est l'huile de poisson, hein, donc voilà, ceux qui rejettent, ouais, c'est du épais. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Ce chiffre, on peut rester débattre tant qu'on veut, c'est des indicateurs nationaux. Et le national n'est pas, voilà, c'est la France n'est pas unique, quoi. Voilà. Et où trouve-t-on le, l'indice, du coup, qui est absent du tableau? Quelle page, vous savez? Le corps, qu'est-ce que vous voulez? Le, l'indicateur de pression fiscale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Voilà, on l'a montré tout à l'heure. Page 4, c'est ça? Vous l'avez, oui, page 4 de la fameuse M14, pardon. Page 4 de la fameuse M14 dont je vous parlais. D'accord? Vous avez le potentiel fiscal et financier, fiscal à gauche et financier à droite. La valeur par habitant, et ainsi de suite. OK? D'accord. Et du coup, l'indice, vous ne l'avez pas? L'indice en pourcentage, vous ne l'avez pas? Ben si, c'est la moyenne nationale, là, vous l'avez, la valeur. Valeur par habitant, population DGF, 971. C'est pas ça que vous cherchez? Si, non. Voilà. Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate. Moi, c'est pas ça. C'est un coefficient de mobilisation de potentiel fiscal. C'est en pourcentage et c'est tout autour de 100%, 115%. Le dernier que j'ai trouvé de Fouenant était de 115%. Mais je ne sais pas. Et je pense que vous avez l'obligation de le mettre dans le budget primitif. Ouais. Non, non, mais la M14, si vous voulez, quand on rend des données, elle vous sort l'ensemble de ces états-là. Donc, Moi, je parle de l'annexe 1 où il y a des obligations d'information chiffrées. Enfin bon, je ne veux pas vous embêter, mais je pense qu'il en manque une. Alors regardez peut-être. Je pense pour les villes de plus de 10 000 habitants, il y en a quelques-unes supplémentaires et vous les avez toutes sauf une. Bon, on regardera si c'est une donnée obligatoire ou pas. Nous, on a repris le chemin de fer et la nomenclature qu'on nous demande. Voilà. Parce que c'est cette maquette qu'on vous prend, hein, là, qui est présentée là, c'est une maquette donc, des services des impôts. Voilà. Par contre, le tableau que vous a présenté Bruno, qui est le retraite de synthèse, oui. Voilà, tout est, il a retraité le tout. Quoi. Le document officiel, c'est la M14. C'est, ouais, c'est celui-là. D'accord. Et ça, cette maquette-là, elle vient du Trésor. Quoi. Avec les lignes qui vont avec, avec des sous-lignes. En plus. Ouais. Voilà. Quelques questions, page 15. On avait des questions sur quelques lignes du budget. Page 15. Notamment la section fonctionnement et en détail de dépenses. Donc, on s'aperçoit, par exemple, sur la ligne énergie-électricité, qu'il y a, comment dire, une augmentation de 30%. Oui. Oui, c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout à fait. On a un contrat qui a été revu pour les 3 années à venir et c'est chiffré à 94 000 d'augmentation sur la partie ELEC. On constate par contre une augmentation au 62-36 catalogue et imprimé qui est de 110%. Donc à l'heure de la dématérialisation, se poser la question de pourquoi cette augmentation. Alors là, je vous dirais, vous êtes un peu gonflé entre guillemets de me parler de dématérialisation parce que on travaille tous en dématérialisation au niveau des élus de la majorité et vous seul souhaitez des impressions papier
de tous ces documents M14. Donc voilà, je fais cette petite remarque comme ça. Ne dites pas que quand même la production, l'augmentation des 110% est liée à la production de ces documents. Je faisais un petit aparté en ce sens quand même, parce que je pense qu'on fait attention à tous ces sujets de dématérialisation et l'usage des tablettes par l'ensemble des conseillers le montre. Ensuite, catalogue imprimé, effectivement, on a une hausse importante, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est aussi par ce livre des recettes là, que l'on entend faire, qui est un projet que mène Cécile pour mettre à l'honneur les Fouets Nantais qui ont des recettes à partager et mettre en valeur le patrimoine culinaire de Fouets Nantes. Voilà, c'en est une illustration. On a quelques autres projets comme ça et aussi et quelques dépenses de communication qui du coup, vous retrouvez ça dans ces lignes 62-36. Sinon, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que les frais d'assurance multirisques sont passés de 53 000 euros à 125 000 euros en 4 ans, soit une augmentation de 135%. Oui, alors ça, on l'avait expliqué aussi il y a un an, parce que le contrat, effectivement, lié à l'ensemble des litiges que connaît la ville de Fouets Nantes, a été revu par les assureurs, et ça nous a valu une hausse de quelques 60 000 euros de mémoire. Donc c'est lié au recours dans les opérations d'urbanisme. Entre autres. Mais pas que. Et sinon, à l'article 6232, comment expliquer une telle hausse des dépenses pour les fêtes et cérémonies ? Eh bien, tout simplement, je voulais mentionner aussi, on a connu une année sans fêtes et cérémonies ou quasiment aucune, et on espère, avec un contexte sanitaire meilleur, reprendre l'ensemble des réceptions, et ça donnera le retour à la situation qu'on connaissait avant Covid. Parce que là, les 57 000 euros, en fait, c'est le budget... provisoire, enfin, je ne sais plus comment on dit. C'est budget primitif. Primitif de l'an dernier, mais ce n'est pas la dépense qu'il y a eu l'an dernier. Non, mais le budget primitif était à la baisse l'an passé, parce qu'il tenait compte du fait qu'on en ferait moins. Vous saviez qu'il n'y aurait pas de trophée de la vie associative, qu'il n'y aurait pas de lumière en fin d'année. Et là, on reprend les enveloppes qu'on avait avant, en espérant qu'on retrouve une vie normale au niveau de la vie municipale. Voilà, il y a les vœux, il y a le trophée des nouveaux habitants, il y avait aussi le trophée des sports, j'en passe. Hein. Voilà, toutes les cérémonies qui ont été très, très limitées. Quoi. Sur les 57 000 euros qui avaient été provisionnés, est-ce qu'on en avait réalisé quel pourcentage ? Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de... Alors, je vous ai montré tout ça aussi tout à l'heure, mais j'entends bien que c'est compliqué. Après, le but d'une commission des finances, c'est justement d'analyser ces lignes-là en détail, comme vous semblez le faire. Ce n'est pas forcément l'objet du conseil municipal, mais je vais tâcher d'y répondre. Il y a une partie du repas des anciens là-dessus. Oui. Alors, donc, on était sur... vous me disiez, Mme Globin, c'était... Alors, c'est la ligne 62-32... Oui, c'est ça. Donc, on va finir à 22 000, à peu près. Donc, de 22 000, vous passez à 85 000. Mais là, 000. On ne va pas faire non plus, attention. Non, c'est pas je tout. Vous ai mis dans le tableau que je vous ai montré une prévision d'atterrissage. Tous ces chiffres-là, l'atterrissage finalisé, c'est l'objet du conseil municipal validant les comptes administratifs 2021. D'accord ? Et sinon, j'avais une question, je ne sais pas, vous en avez déjà parlé. Vous avez mis plus 100 000 euros pour les rémunérations et vous l'avez mis seulement sur la ligne des non-titulaires. Pourquoi ce choix ? Oh, je dirais ça, c'est la RH qui gère, parce qu'on a une partie contractuelle, une autre partie titulaire. Moi, je regarde l'enveloppe globale et je fais confiance au service pour voir la répartition comme il faut. Donc, vous n'augmentez que les contrats contractuels, quoi. C'est ça ? Non, parce qu'il y aura des revalorisations qui vont s'appliquer aussi à l'ensemble des catégories. Oui, puis si quelqu'un qui est dans une administration, qui n'est pas une collectivité télécale, qui est dans une administration d'État, il va venir sur un détachement. Donc s'il est sur un détachement, il sera donc... Non titulaire. Il ne sera pas dans la fonction titulaire. Il sera à côté. C'est l'exemple, voilà. Mais comme aussi, on peut prendre quelqu'un, voilà, pendant un an ou deux ans, s'il y a un surcroît d'activité... Et comme ça permet à chacun de regarder si ça convient le travail et puis de les titulariser. Et de le garder, de poursuivre l'aventure ou pas. Oui. Il y a d'autres questions ? Il y a
en a pas ? Si, j'en avais une dernière, je crois. C'était sur le chapitre parc informatique et bureautique. Il y a une dépense prévue de 103 000 euros. Ouais. Je pense que c'est lié à une subvention. Non. Non ? C'est une dépense. Oui, c'est une dépense. On a habituellement chaque année pour 100, 120 000 de renouvellement de matériel informatique sur la ville de Fouesnant au total. D'accord. Donc c'est le renouvellement normal du matériel informatique. Si on a un logiciel en plus dedans, un logiciel de paye de compta, je parle sur le contrôle d'un logiciel paye ou compta, ça peut coûter 35 000 euros. Voilà. En gros, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Okay. Et puis les logiciels, on est obligé de s'adapter en permanence. Si la trésorerie nous dit qu'il faut changer un peu, pas la nomenclature, mais voilà, par rapport à la démat, il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, ces logiciels nous coûtent cher, évidemment, mais nous coûtent aussi en maintenance derrière. Oui, tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qui explique une partie de la hausse de la maintenance. Il n'y a pas de subvention parce que le système est mutualisé. Chacun paye son matériel. OK, c'est bon ? Parfait. Je vous propose donc de valider ces différents budgets. Alors, la commission avait donné un avis favorable à l'unanimité sur tous ces budgets. Souhaitez-vous que je les reprenne en mentionnant les chiffres ou vous m'en faites grâce ? Oui, je vais y venir après. Alors, sur le budget général, on va faire quand même un vote budget par budget, hein, puisque c'est la loi nous l'impose. Sur le budget général, qui est contre ? 4. Qui s'abstient ? Abstention ? Il n'y en a pas. OK. Sur le budget des ports, donc contre ? Abstention ? Unanimité ? OK. Sur le budget du lotissement de Kérourguet, vote contre ? 4. Abstention ? OK. Sur le lotissement communal de Manère-Querello, est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention ? 4. D'accord. Sur le budget du lotissement communal de Borlogotte, des votes contre ? Abstention ? OK. Merci. Et dernier point, le budget production et revente d'énergie, y a-t-il des votes contre ? Abstention ? OK, merci. Excusez-moi, j'ai une question. Pourquoi il n'y a pas un budget à part pour l'archipel ? Parce que l'archipel est géré en régie d'une part, et donc il est intégré dans les dépenses et recettes communales. C'est bon. Merci. Voilà, et je vous propose également le deuxième volet de la délibération 1-2, donc qui vous propose de voter le versement de 26 000 euros au titre de l'année 2022 de la taxe débarquement sur le budget des ports pour contribuer ainsi à l'équilibre du budget des ports. 25, j'ai dit ? 25, excusez-moi. Des votes contre ? Tout le monde est OK ? Unanimité. Okay, merci. Merci. Parfait. Donc, je vous propose maintenant de passer à la délibération 1-3. Celle-ci porte sur la commission de transfert de charges et l'attribution de compensation qu'on vous a déjà présentée tout à l'heure. Donc, en gros, globalement, donc, je vous l'ai dit, il y a quelques activités, quelques compétences qui sont transférées et prises en charge par la communauté de communes. Dans ces compétences, vous avez la voirie, l'éclairage public et les protections incendies, DECI. En termes de voirie, on distingue toujours deux choses, le fonctionnement, le coût d'entretien de la voirie et puis l'investissement que concerne la voirie aussi. Donc pour ce faire, il y a aussi quelques routes qui ont été identifiées comme d'intérêt communautaire, des routes supplémentaires, j'entends. Au niveau de l'éclairage public, deux choses. 2022-2023. Sur la partie 2022, on prend en charge, enfin la communauté de communes plutôt prend en charge la maintenance des poteaux lumineux. Par contre, la consommation, elle, ne sera prise en charge qu'à partir de 2023.
Et à côté de ça aussi, la communauté de communes prend en charge les défenses incendies. Donc, vous voyez les montants pour l'ensemble des communes du pays fouénantais et pour la ville de Fouesnant. En voirie, donc, on a 30 293. En fonctionnement voirie, on a 18 273. L'éclairage public hors consommation, donc 37 000 euros, 37 485. Et défense incendie, 14 640. Donc, le total de transfert de charges pour 2022 s'élève à 100 691 75. Et donc, on aura une attribution de compensation qui va baisser de ce même montant pour 2022. Quand on arrive à 2023 maintenant, là, ça va prendre plein effet et vous aurez également la prise en charge par la communauté de communes de la consommation de l'éclairage public qui, pour la ville de Fouesnant, s'élève à 124 950. Donc, total, ça va être encore une attribution de compensation qui va baisser d'autant en 2023. Et vous l'avez mentionné un petit peu plus bas, voilà. Pour mémoire, donc, l'attribution de compensation qui s'élevait à 530 998 en 2021 va passer à 430 000 en 2022 et donc 305 000 en 2023, une fois pris en charge tous ces transferts de compétences. Donc, il vous est proposé d'approuver le rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges en date du 7 décembre 2021. Je rappelle que toutes ces charges-là ont été chiffrées, appréciées, présentées au niveau de la communauté de communes par cette commission d'évaluation des transferts de charges qui l'a validé, et ça doit être ensuite présenté et validé par chaque conseil municipal. Donc, il vous est proposé d'approuver et de prendre acte du montant des transferts de charges à compter de 2022. Pour 2023, on parle de délibération. Je ne sais pas s'il y a des abstentions. Quatre abstentions. Merci. Je passe donc à la délibération 1.4 qui porte sur le versement anticipé à l'OGEC au titre de la participation communale 2022. Donc, on a inscrit au budget 291 000 de versement à l'OGEC et donc il vous est proposé ici de verser déjà un premier acompte pour 66 429 qui correspond au dernier trimestre de l'année N-1. Ensuite, il y aura les ajustements en cours d'année en fonction de l'évolution du nombre d'élèves de Notre-Dame. Bon, on avait un avis favorable de la commission à l'unanimité. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Après, tout ça, c'est des choses qu'on a inscrites dans le budget primitif qu'on vient de valider. Là. Donc, par cohérence, logiquement, on doit être sur le même registre. Mais M. Martin, vous avez une question. Oui, j'avais une question. Je voulais savoir s'il existait une convention entre la mairie et le GEC. Alors oui, il me semble qu'il y en a une. Ouais. Oui. Alors, j'ai vu que certaines communes exigeaient de l'OGEC de transmettre à la ville un compte rendu financier annuel. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Je n'ai pas vu ce compte rendu, mais on peut l'avoir. Et on est en tout cas invité aux assemblées générales de l'OGEC systématiquement. Donc on a les comptes de l'OGEC aussi, c'est ça qui est important. Je rappelle aussi qu'on contre-garantit le financement de l'OGEC et donc on s'assure de la bonne marche de l'OGEC. Parce que l'école est sous contrat. Oui. Ouais. C'est le cas de ce contrat qu'on reprend le même prix pour les gamins. Quoi. Très bien. Unanimité là-dessus ? Qui s'abstient ? Abstention 4. 4. OK, merci. La 1.5, on est dans le même registre de versement des subventions et des taxes. Ici, il s'agit du reversement de la taxe de séjour à l'Office du tourisme. Donc, je rappelle qu'on reverse l'intégralité à l'Office. Et donc, il vous est proposé ici à l'Assemblée municipale de reverser à l'Office municipal, au titre de l'exercice 2022, l'intégralité du produit de la part communale de la taxe de séjour pour 2022. Pour mémoire, sur 2021, la commune a perçu 298 000 056, ce qui constituait un bon niveau de taxe de séjour. Voilà. Parce qu'il y a des questions là-dessus. C'est bon ? Vote, unanimité ? Ouais. Unanimité ? Abstention ? 4. Merci. La 1.6 porte sur l'attribution de subventions au CCAS. Je vous en ai fait part tout à l'heure. Donc 20 000 de subventions de fonctionnement au CCAS. Reconduction de l'enveloppe majorée depuis 2-3 ans maintenant.
j'avais une remarque. Enfin, on trouvait que le montant alloué semblait faible, et notamment avec le point suivant où la subvention attribuée à l'Amicale du personnel est de 23 000 euros. Ici, le montant attribué au CCAS est de 20 000 euros. Et c'est vrai que ça semble faible. Alors, je regrette qu'on les compare parce que ce sont deux choses. Non, c'est pas comparable, mais radicalement différentes. Et d'avoir mis des objets tellement différents l'un et l'autre. Si on l'a majoré déjà, multiplié par deux, vous me direz que ça fait 20 000. Mais si, déjà, il faut voir la consommation de ces 20 000. Si je parlais tout en début de ma présentation d'un budget agile, si on observe un nombre de familles plus important dans le besoin et que le budget du CCAS ne suffit pas, je suis prêt à regarder ça si nécessaire, mais je rappelle aussi que cette subvention de la ville n'est pas la seule recette du CCAS. Non, loin de là d'ailleurs. Donc il ne faudrait pas être limitatif en regardant que ces fameux 20 000 euros. Enfin, il nous semblait que ça traduisait un certain manque d'ambition du CCAS. Et je rappelle ici, parce que ça a été rappelé hier au CCAS, que la commune avait obligation de rendre pour décembre 2021 une analyse des besoins sociaux, et que ça n'a pas été fait. C'est en cours avec la communauté de communes. L'étude est en cours. Oui, mais je... La commune ne le fait pas, mais la communauté le fait. Ce sera fait à l'échelle du pays fondateur. C'était une demande de l'ensemble donc, des communes. Alors, sur le vote là-dessus, qui s'abstient ? Ok. Merci. Et la dernière, 1.7, donc, concerne l'attribution de la subvention à l'Amicale du personnel communal pour 2022, donc avec reconduction du montant des années précédentes à hauteur de 23 000 euros. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Madame Voga ? Oui, une petite question. Est-ce qu'il y a un rapport des actions menées ? Toujours oui. Pareil, hein, le même rapport qu'on peut demander sur l'utilisation de fonds publics. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas de l'utilisation de ces crédits ? Si. Oui. Il faut un rapport. Il faut le rager et tout. Ouais. On pourrait nous le communiquer éventuellement ? Je pense qu'il est communicable, je pense. Ouais. Ok. Qui s'abstient là-dessus ? Qui est contre ? Unanimité ? Merci. Ok, j'en ai fini pour la partie finance. Merci Bruno. Et merci à Claire aussi pour les travaux menés pour construire ce budget, bien évidemment, et à son équipe. Très bien. Merci à tout le monde. Maintenant, il faudra mettre en application et consommer et dépenser juste ce qu'il faut, quoi. Dépenser un investissement sur ce qu'on a mis et consommer un peu moins en fonctionnement, ce serait bien, quoi. Voilà. Ce qui nous fera une cave plus grande. Très bien. Voilà. Mais je fais confiance à l'adjoint aux finances et aux services pour tout, ouais, pour bien faire fonctionner tout ça. Très bien. Alors, Laure. Bonsoir. Donc, deux points à l'ordre du jour. Point 1, il s'agit d'approuver donc les termes d'une convention de mise à disposition d'un terrain de 519 mètres carrés. Hein, il s'agit de la parcelle BR41 située en Kersantique pour l'installation d'un poste de transformation de courant électrique. Donc, la commission avait émis un avis favorable à l'unanimité. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question, notamment sur la surface mise à disposition. Lorsque je lis la convention, je vois que le terrain occupé sera d'une superficie de 15 mètres carrés. Oui. Mais pas de 519 mètres carrés. Non, mais la mise à disposition, à mon sens, de ce que je lis, elle est pour les 15 mètres carrés. Et non 519. Alors, le 15 mètres carrés, c'est le bâtiment en soi. Et les 519, c'est... C'est la parcelle. C'est la parcelle, quoi. Oui, mais enfin, la convention, elle dit bien occuper un terrain d'une superficie de 15 mètres carrés situé en Kersantique, faisant partie d'une unité foncière qui, elle, a une surface totale de 519 mètres carrés. Mais la convention concerne bien l'occupation d'un terrain d'une superficie de 15 mètres carrés.
OK, très bien. On la modifie tout de suite. Donc, la collectivité a été constatée par une DIS pour la mise à disposition d'une surface de 15 mètres carrés sur la parcelle de 510 mètres carrés, numéro BR. Voilà. Et okay. Moi, j'avais une autre question. Je voulais savoir pourquoi la convention n'a pas été présentée à la commission des services publics. On l'a vu l'autre jour en conseil. Oui, en commission du conseil, on l'a vu. On l'a vu la semaine dernière en conseil, en commission. Ça, on a vu ça, M. Martin. Toutes ces délibérations sont passées. Hein. Non, mais commission de services publics. Commission de services publics. Ah, la commission des usages. Enfin, oui, non, elle a pas lieu d'être non, présentée. Non. Non, 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 du tout. Non. C'est le rapport donc, le, sur d'activité, ça n'est pas du tout. C'est alors, les dépenses et les recettes. Bon, avec cette modification, donc, d'une surface de 15 mètres carrés sur la parcelle. OK ? Qui s'abstient ? Et quelle est la finalité de cette installation ? Est-ce que ça a un lien avec le projet de lotissement des NKR Saint-Tic ? Non. Non. Non, ça, c'est le réseau EDF. Hein. EDF, il regarde son réseau. Alors, aujourd'hui, le réseau, il évolue en permanence pour la bonne et simple raison que tous ceux qui ont des chaudières et qui mettent des pompes à chaleur, ça modifie de façon conséquente l'alimentation. Et pour peu que les transfos soient un peu justes, ils sont obligés de changer les transfos et mettre des transfos un peu plus grands. Quoi. Mais ça, c'est le réseau EDF. Hein. Ils regardent où ils mettent, mais ça n'a pas de lien avec le lotissement. Hein. Très bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? 4 contre. OK. Alors, point 2, convention de mise à disposition d'ouvrages de prévention des inondations à la communauté de communes du Pays Fouénantais. Depuis le 1er janvier 2018, la CCPF exerce la compétence GEMAPI. À ce titre, elle doit assurer les responsabilités qui sont associées à la prévention des inondations et définir les limites de son intervention, ainsi que le parc d'ouvrages de protection contre les inondations et la mer. Par délibération du 1er juillet 2021, la CCPF a ainsi délimité les contours de la compétence prévention des inondations et du patrimoine associé. Dans ce cadre, il convient de permettre par une convention de mise à disposition d'ouvrages de protection appartenant à la commune à la CCPF de remplir son rôle de responsable de la prévention des risques inondations sur son territoire et ainsi compléter le patrimoine dédié à cet effet. Les ouvrages concernés par la présente convention sont les suivants. Alors, la section de remblai de Kerneuc, appartenant donc à la commune, constitutive d'un système d'endiguement de Mousterlin et implanté sur la parcelle 57. Ensuite, les murs de soutènement, appartenant à la commune, constitutive d'un système d'endiguement de Mousterlin et implanté en bordure de la route de la Pointe de Mousterlin. Le remblai appartenant à la commune, constitutif du système d'endiguement de Mousterlin sur lequel est implantée la route du Grand Large. Et enfin, l'ouvrage du Douric appartenant à la commune, implanté sur la parcelle 363. Donc, l'ensemble de ces ouvrages est formalisé sur une carte jointe que vous avez reçue avec la convention. La convention qui figure en annexe n'a pas de limitation de durée dans le temps et est soumise à titre gracieux. Donc, la commission avait émis un avis favorable à l'unanimité. Vous avez des questions ? Pas de questions. Unanimité ? Pas d'abstention ? Pas de contre ? Merci. Merci. Merci, Laure. Alors, notre collègue Laurent étant absent, je vais rapporter les délibérations. Alors, c'est donc le transfert d'une section de la route départementale 134 dans le réseau des voies communales. Alors, on vous rappelle hein, donc la loi de modernisation MAPTAM de 2014. On vous rappelle également que la communauté de communes du Pays Fouénantais, en tant qu'autorité gémapienne, mène depuis 2019 les études nécessitant l'obtention du classement du système d'endiguement des ouvrages de protection contre la submersion marine de Mousterlin à Fouénan. C'est un lien avec ce que vient de lire Laure. Hein. Plusieurs murs de soutènement de la route départementale 134 figure parmi les ouvrages de protection recensés. Ces murs jouent un rôle direct dans le maintien du niveau de protection du futur système d'endiguement, notamment par la présence de leur parapet et l'appui qu'ils constituent pour l'enrogement de la pointe de Mousserlin. À l'issue d'échanges avec la communauté de communes de Fouénan, il est apparu que le conseil départemental de céder la section de voie départementale, vous avez la carte,
donc à la commune de Fouesnant au titre de la compétence voirie, serait la solution la plus pertinente en matière de gestion des ouvrages de protection. Pour ce faire, il a donc été sollicité le département du Finistère la concession par le transfert de la section de la route départementale d'une longueur de 245 mètres dans le réseau des voies communales, afin de permettre la mise en œuvre d'une convention de mise à disposition entre la commune et la communauté de communes pour la gestion ultérieure des ouvrages de protection. Le transfert de cette section de la route départementale n'impacte pas la continuité du réseau départemental qui prend fin à la pointe de Mousserlin. La cession se fait à titre gratuit. C'est un lien avec tout ce qui est la GEMAPI. Vous avez la carte, hein, c'est à partir de la cale, donc la section déclassée, c'est voilà, c'est la bleue, c'est jusqu'à l'hôtel. Et à droite de la cale, ça appartient déjà à Fouesnant ? Oui. Et ça va être cédé à la CCPF également ? La CCPF, en tant que organisme GEMAPIEN, oui, de la cale, et voilà, aura la gestion. Et on n'est pas obligé de faire le transfert, pour l'instant toujours. Tout le monde est favorable ? Pas d'abstention ? Unanimité ? Abstention ? Pardon. 4. Très bien. Et l'autre, c'est la parcelle, la vente d'une parcelle DA364, un Arplaisy. Voilà, donc on a pris une délibération le 18 décembre 2021 avec un avis favorable à la vente des parcelles. Voilà, vous avez des sections, un Arplaisy, pour 520 000 euros. C'est l'opération dont a parlé Bruno tout à l'heure sur le lotissement. La cession de la parcelle cadastrée, donc voilà, d'une surface de 364 mètres carrés incluse dans le périmètre du permis d'aménager. Voilà, vous avez le numéro du permis, je fais grâce à la lecture. Le 20 janvier 2021, a été omise dans la délibération. Donc, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la vente de cette parcelle, voilà, qui est le long de la parcelle 310-362. Voilà, c'était une rétrocession qui avait été faite à l'époque pour élargir la route. Voilà, donc, on vous indique qu'on souhaite donc intégrer cette parcelle dans la vente globale, voilà, de l'OPAC à hauteur de 520 000. L'OPAC, ça avait été un prix par rapport à un lot global, quoi. Je ne sais pas qui s'abstient, qui est contre. Donc, il n'y a pas conservation du talus à cet endroit-là ? Ah si, ça ne veut pas dire... Non, non. Mais ça veut dire que... Je ne sais même pas s'il y a un talus, là. Oui, si, si. Ça, c'est conservé. Hein. La partie qui n'est pas conservée, le talus, c'est la 363. Mais nous, on ne va pas garder le talus pour nous, parce que sinon, l'entretenir, c'est impossible, quoi. L'entrée se fait au 363 pour l'ensemble d'ailleurs des voies. Très bien. Abstention ? 4. Très bien. Parfait. La délibération suivante concerne l'approbation du plan de formation. Donc tous les ans, hein, La commune élabore un plan de formation. Voilà, ce plan de formation est sur les règles par rapport à une loi du 19 février 2007 et qui doit répondre aux besoins de la collectivité et aussi à ceux des agents. Donc, c'est de concilier les deux. Voilà, il y a un plan de formation donc pour 2022. Il a été examiné par le comité technique. Voilà, il a reçu un avis favorable du comité technique. Bon, vous avez vu dans l'annexe toutes les formations qui vont être faites. Voilà, donc beaucoup sont faites avec le CDG. Voilà, on essaie de répondre à l'ensemble des demandes. Voilà, demandes de formation aussi pour des examens professionnels quelquefois. Voilà, et puis la collectivité regarde certaines demandes spécifiques quand on a besoin par rapport à certains agents. Ça tient compte aussi de l'évolution professionnelle. Donc, de la carrière des agents.
Bon, je fais grâce, sauf si vous me demandez de la lire, hein, mais voilà. Bon. Il y avait unanimité du comité technique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Merci. Ensuite, après, c'est de l'information. Donc, sur la liste des marchés qui ont été conclus. Voilà. Ensuite, vous avez. Excusez-moi, les travaux de Kerouguet sont finis? Oui. Oui. Il reste la garantie, sans doute, de parfait achèvement. Mais autrement, sur l'école, c'est fini. Ouais. Je parle sur le contrôle de l'ordre. Je ne sais pas si on l'a déjà demandé, mais il serait possible d'avoir une visite de fin de travaux? Oui. Visite de. Oui, pas de souci. On organisera ça. Merci. Ensuite, la délégation donnée au maire pour les marchés. Hein. On a deux marchés qui ont été passés. Un pour les enduits superficiels, un pour la modernisation, et un autre avec Helios pour la signalisation horizontale. C'est tout ce qui est peinture en particulier. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est les déclarations d'intention d'aliéner. Voilà. Là, on a très peu, pour la bonne et simple raison, n'ayant plus de PLU, il n'y a plus d'obligation de faire de DIA. Ensuite. Il y a une question, M. Taboret voudrait s'exprimer. Hein? C'est un marché négocié, on n'a pas besoin de revenir à la commission. Non. Ce n'est pas le même marché. Non, ce n'est pas la même procédure. Marché de signal, il y avait une commission, ça passe devant la commission d'appel d'offres parce que c'est un marché de fourniture. Et ici, c'est les marchés de travaux. C'est pas tout. Le code des marchés publics, il y a des seuils dedans. Quoi. Ensuite, tout ce qui est action justice, vous avez le rapport. Voilà. Ensuite, vous avez les délégations données au maire pour donc tout ce qui est dépenses imprévues. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de 25 000 euros. Vous avez aussi tout ce qui est indemnité des élus, donc tant aux élus et les indemnités qui viennent également donc de la communauté de communes pour ceux qui siègent avec des responsabilités à la communauté de communes. Voilà un peu en titre d'information. Et il y a le rapport d'activité de l'Office du tourisme, j'allais reprendre, voilà, que vous avez également, de l'OMT, qui vous a été remis, voilà, sur une, voilà, un peu, pour ce soir. J'en ai terminé. En vous remerciant les uns et les autres de votre participation à cette séance importante du Conseil municipal où nous avons pris l'engagement donc des travaux pour l'année 2022. C'est un moment très très important.